Bonjour Daniel, ça va? Attends, oui, ça va. Dis-moi, t'as connu l'adjudant Fourroux? Ah, Fourroux, je pourrais pas te parler de lui. Non, mais si tu veux. Non, je peux pas te parler de lui parce que Patrick, c'est mon poteau. Et si je te parle de lui, ça veut dire que toi, tu en parles mal de lui et je vais te défoncer ta gueule. Non, mais parce qu'il paraît qu'il était professeur de yoga à le pays. Est-ce que c'est vrai? Oui, et il élevait des tortues aussi. Et ben, les tortues, alors parce que j'ai des infos qui disent qu'il faisait du macramé et du tricotin à le pays. C'est vrai? Ouais, mais il connaissait pas le point de Paris, par contre. Il connaissait pas le point de Paris, c'est toi qui lui as appris, c'est ça? C'est pour ça qu'il s'est fait lourder à l'UFSM, c'est. D'accord. Ah ouais, bah oui, il faut savoir un petit peu les tenants, les aboutissants de tout ça. Et alors certains mecs diraient qu'il se maquillait, il mettait du bleu sur les yeux, c'était parce qu'il était travesti ou... Ben non, le bleu c'est un code entre nous. Voilà. C'est un code entre nous. Voilà. Quand on met du bleu, ça veut dire qu'on est amoureux de la maillotche et qu'on va on va taper tout le monde. D'accord. Quand on met du rouge, ça veut dire que là, on va rentrer à la maison et puis tout va bien se passer. Mais c'est un code entre nous que toi tu ne peux pas bien sûr. Non. Il n'y a que les anciens qui peuvent connaître. Moi j'étais une couille de loup, tu sais. Je dirais une couille de loup, t'es un peu trop gentil. Il aurait été un vagin de tortue. Ok, merci Daniel. De rien. À bientôt. Très bientôt. C'est ça.